Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 37e jour de l'aventure réveil dans la jolie ville de Gwangju. Je vous retrouve déjà à la gare routière. Je viens juste de prendre ma décision pour la destination du jour. Je vais aller dans la ville de Wando. Alors c'est un nom qui résonne dans ma tête depuis pas mal d'années. Wando, ouais, je sais pas pourquoi, mais quand j'avais étudié un petit peu mon parcours pour la Corée, pour mon premier voyage il y a quelques années, je sais pas, j'avais noté ce nom-là, Wando, et je m'étais dit, un jour j'irai à Wando. Ça me faisait envie. C'est sur la côte, je crois même que c'est sur une île. C'est une petite ville. Je viens d'acheter le ticket, j'ai payé 18 000 won, ce qui fait à peu près dans les 13 euros. Et il y a, il me semble, un petit peu plus de 2 heures de route. Je crois que c'est 2h10. De route. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais manger mon petit cookie. Le bus part d'ici 15 minutes. C'est parti pour une nouvelle journée en Corée du Sud, direction Wando. Bienvenue à Wando les amis, ça y est, je suis arrivé après 2 heures de trajet qui s'est déroulé sans encombre. C'était même très confortable et on avait de très beaux paysages sur la route. Les rizières dorées là, elles sont vraiment magnifiques d'ailleurs. Il y en a qui commencent un petit peu à être moissonnées. Je suis arrivé donc à la gare routière, j'ai pris un taxi pour venir jusqu'à l'hôtel. Je loge dans un motel qui s'appelle Tower Motel, je paye 26 euros la nuit ici. Franchement, rien de particulier, ça m'a l'air d'être un bon rapport qualité-prix. La chambre est petite mais propre, bien tenue et il y a tout le confort nécessaire. Je vais vous montrer bien sûr la chambre et la salle de bain dans quelques instants. Sinon, Wando, je vous l'ai dit ce matin, hein, c'est un nom voilà, qui résonne depuis longtemps dans ma tête. J'ai une carte de la Corée chez moi accrochée dans le bureau et que je regarde régulièrement. Et c'est vrai que je voyais toujours ce nom Wando. D'ailleurs, je vous confirme, nous sommes bien sur une île et il y a aussi plein d'autres îles autour, ça sera peut-être au programme dans les prochains jours. De temps en temps, je choisis des destinations parce que ça sonne bien dans mon oreille et des fois, on a un petit feeling. Depuis que je suis arrivé, bon, la ville a l'air assez petite, on va dire ville de taille moyenne. On est sur la côte, j'ai aperçu un petit peu la mer là, à droite à gauche. La ville a l'air assez cool et j'ai plutôt un bon feeling. Vous savez, de temps en temps, on arrive quelque part et on sent un petit peu les choses, on se dit, ah, je sais pas, mais j'ai l'impression que je vais me plaire ici. Alors parfois on peut se tromper, mais là c'est l'impression que j'ai en arrivant ici à Wando. Je pense que c'est un endroit qui va me plaire. Pour cette première après-midi, pas de programme, freestyle, on découvre un petit peu la ville comme ça. Par contre j'ai très faim, j'ai très 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 faim, je sens l'estomac là qui me creuse. On va aller manger quelque chose, j'ai vu qu'il y avait un marché qui est pas très loin. Enfin la ville est pas très grande, donc rien n'est vraiment très très loin. On va aller faire un petit tour sur le marché, on va voir s'il y a encore des stands, si on peut manger quelque chose, sinon on se trouvera un restaurant. Tower Motel, lit double. La fenêtre ici, bien sûr le bureau, le frigo, la télévision, la bouilloire, le téléphone, quelques produits, le sèche-cheveux, le miroir, la clim et la salle de bain, l'éclairage. Voilà. Petite salle de bain, les toilettes, lavabo et la douche. Thank you.
안녕하세요. 진영이도 다 묵었대요. 감사합니다. 감사합니다. Alors je viens de commencer mon exploration de Wando les amis, et le petit feeling dont je vous ai parlé tout à l'heure, je pense que je ne me suis pas trompé. D'abord dans le port, alors j'en ai pas vu beaucoup, hein, j'ai pas marché beaucoup depuis que j'ai quitté l'hôtel, mais ce que j'ai vu du port là, ça a l'air très joli. Par contre il y a un vent de ouf aujourd'hui, mais le port, il y a une île, il y a une toute petite île qui est en face de mon motel qui s'appelle Judo. Alors Judo, Do, c'est l'île, hein. C'est l'île de Ju, je crois que ça veut dire d'ailleurs perle. Et la couleur de l'eau, les bateaux de pêcheurs qui flottent et tout, ça me plaît beaucoup. Je suis arrivé dans le centre-ville, je suis dans une partie du marché où, j'allais dire, il n'y a pas d'activité, mais de toute façon il n'y a pas de stand du tout, c'est juste une partie où il y a des restaurants, il y a des gargotes, ça fait un peu comme des cases, des emplacements. Et puis il y a quelques photos de plats accrochées au mur. Il y a une femme qui était assise toute seule quand je suis arrivé. J'ai commencé à lui parler tout de suite. Elle a appelé son mari qui était un petit peu plus loin. Mon mari est arrivé. J'ai pu montrer du doigt ce que je voulais manger. Et aujourd'hui, je mange un plat que je n'ai pas encore mangé depuis que je suis arrivé en Corée. J'y ai déjà goûté, mais pas cette année, pas pendant ce voyage. C'est le Sundae Gukbap. Sundae Gukbap. Sundae, c'est un classique de la cuisine coréenne. C'est un plat très populaire. C'est un genre de boudin, comme on connaît en France. Boudin fait avec du sang de porc, je crois, la plupart du temps. Et puis, on peut avoir plusieurs types d'ingrédients à l'intérieur, mais la plupart du temps, le plus classique, c'est quand même des glass noodles, les nouilles translucides qui sont faites à base de patates douces. Et ça, ouais, c'est vraiment un anka, un snack populaire en Corée. On peut le trouver parfois coupé en petits morceaux, grillé, ou alors, comme je viens de le commander, en soupe. C'est servi en soupe avec un petit peu d'oignon vert et tout. Et puis, bien sûr, du riz à côté, un gukbap, soupe avec le riz. Et puis, bien sûr, les traditionnels banchan à côté. Le monsieur, tout à la fin, il m'a ramené un œuf frit. Il m'a dit ça, c'est en plus, c'est de ma part et ça me fait plaisir. Je lui ai dit, écoutez, moi, ça me fait aussi très, très plaisir. Un œuf frit avec le riz là et tout, ça me va très, très bien. Ça tombe bien, j'ai encore très, très faim. Même si je suis passé au mini-stop, il y a un monsieur qui se met à bricoler juste à côté. Merci monsieur. Même si je suis passé au Pyeonginjeom prendre un onigiri, histoire de me caler un petit peu. Donc on va pouvoir déguster maintenant ce Sundae Gukbap. Et ça tombe bien, j'ai très 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 faim. Ça sent très très bon. On retrouve un petit peu l'odeur du boudin noir. Mais là on a l'odeur en plus, ouais, des oignons verts à côté, du bouillon. Et puis on a bien sûr le riz. Il faut en mettre un petit peu dans le bouillon comme ça, imbibé. Quoi de mieux que de imbiber comme ça un peu de riz avec un petit peu d'oignon vert dessus. Et regardez ce que j'ai là dans cette petite coupelle, j'adore ça, j'en avais eu il y a quelques jours, c'est doenjang, c'est la pâte de haricots, de soja fermenté, ça a vraiment un petit goût bien spécial, qu'est-ce que j'aime ça. Bon, je me suis régalé, hein. C'était vraiment excellent, et je viens de payer, j'ai donné un billet de 10 000, le monsieur est venu... me rendre la monnaie, 3000, donc ça coûte 7000, ça fait à peu près 5 euros, et il m'a dit tiens, ça c'est pour le dessert, il m'a ramené une banane, donc il m'avait déjà offert l'œuf frit, et là il m'a dit la banane c'est pour toi et tout. Franchement, très très bon accueil avec un plat, mais qui était, vous voyez, j'en ai pas laissé une miette, il reste plus rien du tout.
Marche, la plus vieille machine à café automatique de toute la Corée. Samsung, c'est une Samsung. Café au lait, American. Très très bon ce café, mais Samsung sait faire du bon café aussi. La petite canette du jour, les amis, on retrouve Monsieur McCall, c'est écrit dessus, j'imagine que c'est la même chose que j'ai bu la dernière fois dans la Bamboo Forest. Je confirme, c'est exactement la même chose. Bon, là, il y a écrit vitamine dessus, ça doit être enrichi en vitamine, mais c'est exactement le même goût. Sinon, le point sur la situation, Wando, bah, écoutez, je valide déjà, ça me plaît beaucoup l'ambiance de cette ville. Je pense que c'est une ville qui vit essentiellement de l'activité de la pêche. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bateaux. Le port est très joli, la couleur de l'eau, les îles au large. Le déjeuner que j'ai fait au marché, le couple était très sympathique. Ils étaient adorables tous les deux. Le monsieur, là, donc, il m'a offert en plus l'œuf frit. À la fin, il m'a offert une banane. Et sa femme, je vous l'ai pas dit, mais sa femme, elle est restée à côté de moi tout le long du repas et j'ai pris mon temps puisque j'ai fait pas mal de plans, j'ai pris le temps de manger, de savourer, je suis resté un bon moment à table, elle était à côté de moi, elle m'a tchatché du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas ce qu'elle m'a raconté du tout, mais elle a fait que de me parler et elle rigolait comme ça. Alors moi je rigolais de l'avoir rigolé, donc on rigolait ensemble. Je me suis à nouveau baladé dans le port, je suis allé dans un café qui s'appelle Café The Beach, je me suis pris un latte au gingembre, je crois que c'est la première fois que je buvais un latte au gingembre. C'était bien bon, c'était très fort en gingembre, mais c'était bien bon. Et le café très sympa là au troisième étage avec une jolie vue sur le port. Je me suis posé un petit moment. Puis justement, j'ai fait quelques recherches pour savoir où j'allais passer cette fin d'après-midi. J'avais repéré cet endroit qui s'appelle Gugyeong. Ma prononciation est certainement très mauvaise. C'est l'endroit où je me trouve. On est quelques kilomètres au sud de Wando. J'ai pris un taxi pour venir, je sais pas, 5-6 kilomètres peut-être. Et effectivement, c'est super zen, c'est franchement super chouette, j'adore, je suis arrivé ici là. En plus on découvre l'endroit, au bout du chemin on tourne et boum, on tombe sur cet endroit. Il y a le soleil qui commence à se coucher, on a les reflets là du soleil, ça scintille à la surface de l'eau. C'est beau, je sens en plus la chaleur du soleil. Cette jolie plage de galets, c'est du gros galet, on est vraiment là sur du... C'est du bon galet de compétition. Mais la couleur des galets, le gris plus la couleur de l'eau, le bleu à côté. En plus il y a un petit côté isolé, quasiment personne, je pense que je vais me balader un petit peu là sur la plage. Franchement Wando, c'est déjà plus que validé.
Allez, on se reprend un café sur cette antique machine. Café au lait. Merci Samsung. La couverture, elle est brûlante, mais ils sont fous avec ça. En Corée du Sud, il y a plein de couvertures chauffantes. Donc moi, je switch off à chaque fois. C'est cool à foutre le feu, ces trucs. Regardez ce que je me suis trouvé au Pyeongnijeom, les amis. Toc, gâteau de riz. Ils sont fourrés à la fraise. La garniture à la fraise au milieu. C'est un vrai goût de confiture de fraise. Ça fait pas juste coulis ou... Ça fait vraiment confiture de fraise, super bon. Alors, cette fin d'après-midi à Wando, les amis, depuis la dernière fois que je vous ai parlé sur cette très jolie plage, j'ai adoré cet endroit. Franchement, c'était super beau. La plage en elle-même est pas énorme, mais c'était zen, c'était calme. Voilà, je crois que je peux compter sur... Oui, je peux compter sur les doigts de la main le nombre de personnes que j'ai vues. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai vu que 4 personnes sur cette plage. En plus, ouais, les couleurs, c'était beau. La couleur des galets, de la mer, de la roche. C'est vrai qu'on avait une douce lumière de fin d'après-midi. D'ailleurs, j'ai fait voler le drone un petit peu. Pas beaucoup parce qu'en fait, il y avait beaucoup trop de vent. Dès que je prenais un peu d'altitude, il y avait trop de vent. Ça tire à fond sur la batterie, donc j'ai pas fait beaucoup d'images. Mais oui, j'ai adoré mon petit passage là sur cette plage. Alors j'y suis allé en taxi, là pas de problème, mais pour rentrer par contre ce soir c'était un peu plus compliqué. Je suis allé à l'arrêt de bus, il faut marcher 300-400 mètres depuis la plage. Et à l'arrêt de bus je regarde un petit peu sur Naver et en fait il y a seulement un bus par heure et je pense que le dernier bus était passé, allez, 10 minutes, un quart d'heure avant, donc il fallait que j'attende un bon petit moment. Et puis finalement j'ai eu de la chance, il y a un taxi qui est passé, je l'ai arrêté, il m'a ramené dans le centre de Wando et puis c'était déjà l'heure de dîner, il fallait trouver un endroit où manger. Je me suis trouvé une gargote, tout petit restaurant, seulement 3 tables, tenue par une femme d'ailleurs qui était bien occupée. Elle préparait à manger pour les gens qui étaient dans le restaurant, mais aussi pour les gens qui allaient commander à emporter. Le menu était tout en coréen, j'ai bien sûr traduit, et ce soir j'ai mangé un sundubu jjigae. Sundubu jjigae, c'est ça. Alors jjigae, vous vous souvenez, j'avais mangé un jjigae déjà à Séoul, mais c'était bundae jjigae, la soupe de l'armée. Ce soir, sundubu jjigae. Sundubu, c'est le tofu soyeux. Alors c'est vrai que le tofu en lui-même, tout seul, ça n'a pas un goût de ouf. Ce qu'on aime chez le tofu, c'est son apport nutritionnel, c'est son apport en protéines, mais tout seul, ça n'a pas un goût de dingue. Mais par contre, dans le bouillon et tout ce qui l'accompagne, là, on a plein plein de saveurs. Cette soupe, elle vous réchauffe, non seulement parce que elle est servie quasiment bouillante, mais surtout, c'est hyper spicy, c'est bien bien relevé, il y a la dose de piment. La cuillère, qu'est-ce que je ressors? Il y avait un œuf poché. Au départ, je crois que c'était du tofu. Et en fait, non, il y avait aussi un œuf poché, très très bon. Et puis, il y avait aussi des coques. Ouais, je pense que c'était des coques parce que c'était assez petit pour être des palourdes. Bien sûr, tous les traditionnels banchan servis à côté. Je me suis régalé et j'ai payé 7000 won. 7000 won, c'est aussi ce que j'ai payé pour le déjeuner ce midi. D'ailleurs, ces deux plats, Sundae Gukbap et Sundubu Jjigae ce soir, ces deux plats, je voudrais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Sarah Agnès, Patrick Chabin, Cynthia Buzzetti et So La Traîne. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Corée du Sud. Ciao, good night.